2019 아프리카 월드캠프와 함께 케냐, 가나, 코트디부아르에서 진행된 기독교 지도자 모임 CLF. 2019 코트디부아르 CLF는 지난 3일과 4일 양일간 수도 아비장에 위치한 운명의 집 교회에서 열렸습니다. 운명의 집 교회에 심호하는 조지 목사는 지난 1월 CLF 최고 목회자 과정 1기 및 5월 한국 CLF에 참석했던 부아불의 코우코 목사를 통해 CLF를 알게 됐습니다. 그리고 이번 CLF에 참가하게 되면서 2천여 명의 목회자들이 말씀을 들을 수 있는 장소를 제공한 것으로 알려졌습니다. 첫 시간 박옥수 목사는 교파가 갈리는 건 성경의 한쪽 부분만 보기 때문이라며 성경 66권이 하나님의 말씀이고 말씀을 믿는 사람은 형제라고 했습니다. 이어 로마서 3장 23절, 24절 말씀을 통해 하나님과 마음을 같이 하는 것의 중요성과 그 능력에 대해 이야기했습니다. Ils ont compris que Jésus-Christ est venu pour une seule chose. C'est venu ôter les péchés du monde. Et les grands sacrificateurs qui représentent Lévite, que Jean-Baptiste, fils de Zacharie, qui est un grand sacrificateur, a imposé la main. Et il a transféré tous les péchés pour que la justice soit accomplie. Et de là, il est parti sur la croix, il a ôté tous nos péchés. Et c'est pour une seule fois pour tous. Jésus ne vient plus une deuxième fois pour laver nos péchés. Il a déjà accompli ça. Avant même que nous naissions, il a déjà accompli ça plus que 2000 ans. Ce n'est pas parce qu'on est venu que les dieux ont été de laver nos péchés. Il a déjà lavé ça sur la croix il y a plus que 2000 ans. Et nous, si on vient, il faut croire seulement. Dès que tu crois, tu reçois ça. Ah, merci. Il faut d'abord dire que le message, c'est un message très très simple et profond, très simple, profond, axé et centré sur la mort de Christ, sur l'amour de Dieu pour l'homme, sur la mort de Christ et sur la résurrection de Christ. Pour dire que c'est vrai que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Dieu nous a donné ce don gratuit, mais ce don gratuit qui est le salut, il nous a justifié gratuitement. Et à cause de ce que Christ a fait pour nous, nous sommes justes. La rédemption, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Christ a fait, n'est-ce pas, pour nous et sous la croix. Alors le message est très clair et c'est ce que nous prêchons ici d'ailleurs et que nous croyons encore. Et je crois parfaitement ce que le pasteur Pac a dit. Je crois entièrement ce qu'il vient nous partager. 이튿날에도 계속되는 CLF. 박옥수 목사는 계속해서 히브리서 10장 말씀을 가지고 율법과 죄, 그리고 그 죄를 씻는 일에 대해 설명했습니다. 율법으로는 절대 선을 지킬 수 없고 오히려 죄를 드러내는 것이며 죄를 씻는 사람은 사람의 행위가 아니라 오직 그리스도 예수 안에 있는 구속, 곧 하나님의 은혜로 이루어진다는 원리. 그리고 다시 한번 하나님과 마음을 같이 했을 때 하나님의 능력이 임한다는 사실을 강조했습니다. 완벽하게 사회 때문에 구원은 온전한 것입니다. 아멘. Je peux dire que je suis juste parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris tous mes péchés à la croix. J'avais beaucoup de problèmes à ce niveau. Parce qu'à chaque fois, il faut se repentir, tu te repens, tu commets les mêmes péchés, tu te repens, tu commets les mêmes péchés. Mais avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, et la manière dont il a expliqué que le Seigneur Jésus-Christ, tous mes péchés ont été transférés sur le Seigneur Jésus-Christ, je crois que je suis juste. Donc je peux dire et j'affirme que je suis juste. Voilà. Aujourd'hui, là, je me sens très bien. La joie que je ressens dans mon cœur, il y a longtemps que je n'ai pas ressenti cette joie. Et aujourd'hui, je suis vraiment très contente, très heureuse de ce que j'ai entendu aujourd'hui et de ce que j'ai appris. Parce que la parole elle-même transforme. Et puis la parole, on dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc aujourd'hui là, c'est comme si je viens de naître aujourd'hui. Donc je remercie le Seigneur pour ça.
둘째 날인 4일은 주일로, 두 번째 시간은 운명의 집 교회 성도들도 함께 예배를 드렸습니다. 박옥수 목사는 사도행전 13장 22절을 통해 내 생각을 버리고 하나님과 마음을 합할 때 구원을 받을 수 있다며 다시 한번 복음을 전했습니다. Ça m'a encore renouvelé l'intelligence parce que j'ai compris que Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Donc nous ne devons plus nous culpabiliser chaque fois j'ai péché, demander pardon à Dieu, ça n'existe plus. Parce que le pardon c'était avant, dans Lévitique. C'était sous la croix. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce et nous avons reçu le salut gratuitement par Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sommes saints parce que Christ nous a sanctifiés du péché. CLF를 통해 계속되고 있는 구원의 역사, 목회자들을 통해 또 다른 목회자들이 구원받는 역사가 일어나며 한 교회가 바뀌는 놀라운 변화가 지금 전 세계에서 일어나고 있습니다. 굿뉴스TV 박보부입니다.